Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit. Et ici
avant.